Vous avez vu le renard ressuscité. Là, on va parler de gnose encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est archi important, puisque c'est le mensonge originel. Nous vivons désormais à une époque où la grande majorité de l'humanité a croqué le fruit de l'arbre de la connaissance gnose, du bien et du mal. Hein? Vous serez tels des dieux, rien de moins. C'est incroyable, hein, que la majorité des personnes veulent gober cette énormité-là. Mais c'est normal, puisque c'est de l'orgueil exacerbé, et l'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. À l'époque des selfies, puis le monde, c'est moi la vedette. On va voir un spectacle, mais c'est moi qu'il faut qu'on regarde. C'est pour ça que c'est très important de s'attarder un petit peu à ce mensonge luciférien, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nihil nove sub sole. L'ennemi utilise toujours les mêmes tactiques et techniques. C'est normal, puisque c'est toujours le même mentor. Donc, c'est archi important de s'informer. Si on veut enlever le masque des erreurs, des hérésies, mais pour enlever le masque, comme de la franc-maçonnerie en passant, là, ben il faut vouloir l'enlever, hein, et ne pas avoir mangé de ce fruit pourri et avarié qui en a aveuglé plus qu'un. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est une infestation généralisée. Cancer, phase terminale. À tous les jours, là, j'en découvre un nouveau là, qui est gangréné par ces mensonges gnostiques. Là, c'est à chaque jour, là, je me rends compte que c'est pire que ce que je croyais. Et la bataille semblerait perdue si on ne savait pas qu'au final, on ne se moque pas de Dieu et toutes ces personnes-là vont payer très cher leur adhésion aux mensonges. C'est donc archi important de s'intéresser à la gnose afin de connaître leur lexique, leurs mots qu'ils utilisent tout le temps, leur façon de penser. On pourrait résumer ça archi simplement que nous sommes une émanation de Dieu, puis c'est juste le comble de l'orgueil, mais ils sont aveuglés, eux, ils ne voient pas ça, là. Mais là, on va laisser parler quelques personnes qui connaissent très bien le sujet. Ensuite, je vais faire quelques petites lectures là, à propos de Simon le magicien, parce que lui, c'est vraiment un précurseur, hein, et c'est historique, là. Parce que quand on s'intéresse à l'histoire aussi, on se rend compte que la religion et l'histoire vont ensemble. Hein? C'est logique et rationnel. Tu ne peux pas séparer un et l'autre. Donc, les erreurs que nous vivons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. On va le démontrer ensuite. Là. Connaissance divinisante de soi. Par cette connaissance, j'apprends que je suis divin. Et cette connaissance me donne la divinité, la nature divine dans mon être. Voilà. C'est le sens du mot connaissance, c'est ça. C'est seulement le sens de gnose chez les gnostiques. Si je connais Dieu, c'est parce que je suis Dieu. En connaissant Dieu, je me divinise. C'est le principe de la gnose, c'est ça. Tu es divin depuis toujours. Et tu ne le sais pas. La seule vérité, la seule réalité, c'est qui nous sommes. Nous sommes, et Dies, c'est pour ça que je l'appelle Dies, Dieu au ciel, on va l'amener ici, et la mer, hein, la mer terre en bas, on va arrêter la séparation. Nous sommes les fils de Dieu. Je ne suis pas la fille de Dieu, je suis Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Arrêtons la séparation. Tu peux le dire, Nous sommes je tous. suis Dieu. Vous serez tels des dieux, mais des dieux vraiment minables, parce que ces dieux-là, ces personnes, ces diesses-là, ils n'ont aucun contrôle sur la pensée qu'ils vont avoir dans 30 secondes, sur leurs propres émotions, sur les événements qui vont se passer, qu'ils vont subir, parce que ces dieux-là subissent tout, hein. Ils se disent créateurs, mais créateurs de stupidité probablement, parce que je vois aucune autre création que ça, là. Tu peux le dire, Nous sommes je tous. suis Dieu. Et une fois que tu sais que tu es divin, tu es débarrassé des soucis de morale. Puisque tu es divin, tout est bien. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est la grande libération. C'est ça, la libération. Tu es divin, donc libre de faire ce que tu veux. Et tout ce que tu fais est bien.
Ça supprime toute morale, toute raison d'être, vous voyez. Là, on va passer à une vieille conférence de Jean Vaquier qui va nous parler des initiations maçonniques et lucifériennes. C'est là, pas mal la même chose, parce que la gnose, c'est rempli là-dedans, c'est empreint de gnose. Ensuite, des petites lectures vite faites, parce qu'il faut que j'aille monter un tempo. C'est que pour lui, pour tous ceux qui sont dans cette spiritualité, n'est-ce pas, qui sont dans cette contre-église, la voie initiatique que Guénon, lui, pour sa part, appelle la voie métaphysique, mais en fait, c'est la même chose. Elle est d'abord purement intellectuelle, elle n'est pas sensorielle du tout, elle n'est pas dévotionnelle. Elle n'est pas religieuse, c'est pas la voie religieuse, n'est-ce pas, c'est pas la voie religieuse et mystique. Et elle est supérieure, et toujours, dès le départ, elle est supérieure à la voie religieuse, dévotionnelle et mystique, tout simplement parce qu'elle conduit au principe suprême, alors que la voie religieuse ne conduit qu'au Dieu créateur. Ça, c'est un principe, n'est-ce pas, chez eux. C'est une construction théologique qui est brahmanique. En haut, on a l'hyperthéos, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Brahma suprême, et puis en bas, on a Ishwara, c'est-à-dire le Dieu créateur. C'est pas le même. On a déjà cette distinction-là chez les gnostiques, mais enfin là, c'est particulièrement frappant, puisque on en tire des conséquences, même dans la voie, les voies mystiques et initiatiques. Alors il pose en principe que la voie initiatique, étant donné qu'elle est purement intellectuelle, et qu'elle conduit au principe suprême, est supérieure à la voie religieuse, c'est-à-dire mystique, laquelle, d'abord, est dévotionnelle, par conséquent sentimentale, et deuxièmement, ne conduit qu'au Dieu créateur. Alors quand on ne fait pas attention à ces distinctions-là, on se laisse avoir complètement, et on se laisse bercer, n'est-ce pas, par l'argumentation de Guénon, puis on s'imagine qu'on est pris, on est coincé. Alors, nous nous mettons dans la peau, si vous voulez, de quelqu'un qui est candidat à la franc-maçonnerie, et qui vient de subir les épreuves de la triple enquête dont il a été l'objet. Alors, à la fin de cette triple enquête, on a décidé qu'il avait des qualifications. Les qualifications, c'est très important, parce que, avec une certaine fierté d'ailleurs, je dois dire, ils reconnaissent que les qualifications sont les mêmes que pour entrer au séminaire. On ne peut pas être... Ils ne veulent pas des déséquilibrés, vous comprenez? Ils ne veulent pas des tordus, des déséquilibrés, des façons générales. Alors, il faut avoir les qualifications. Alors, notre candidat, il a les qualifications. Et c'est important de le savoir, parce que en fin de chaîne, quand nous allons voir des pépins, que le type va devenir fou, bien détraqué, etc. On va dire, c'est parce qu'il n'avait pas les qualifications. Vous comprenez, c'est pas la faute de la chaîne, c'est la faute de ce que vous avez mis dans une chaîne, un type qui n'avait pas les qualifications. Bon. Alors, il va se trouver à un moment donné à faire un premier choix. Il va devoir faire un premier choix. Et il va donc appliquer ce que appelle le discernement, un premier discernement des esprits. Car ils ont une démonologie. Ils sont inspirés par le démon, mais ils ont une démonologie. Ça, c'est très important, bien le savoir. Et alors, ils vont éliminer notre candidat. Oui, nous avons choisi, n'est-ce pas, le candidat qui va prendre la voie directe. Notre candidat élimine les congrégations qui dispensent une contre-initiation, c'est-à-dire qui dispensent ouvertement une initiation satanique ou luciférienne ouvertement. Alors, cela, il va les éliminer. Il ne va pas rentrer dans ces sociétés de pensée-là. Il ne va pas rentrer là-dedans. Alors, il a donc fait déjà un premier discernement des esprits. Mais, quelque temps après, son instruction pré-initiatique continuant à jouer, il va faire un deuxième discernement des esprits qui va lui faire éliminer les congrégations qui dispensent une pseudo-initiation, c'est-à-dire une initiation récente, une initiation dont on connaît le fondateur. Par exemple, la franc-maçonnerie des Illuminés de Bavière, qui ont pour fondateur Weishaupt, pas les Illuminés de Bavière. C'est un exemple qu'ils donnent eux-mêmes. Un deuxième exemple qu'ils donnent eux-mêmes, c'est Camille Savoir, que l'on connaît, pour avoir fondé la société de Memphis Misraïm, laquelle d'ailleurs s'est incorporée à la franc-maçonnerie, ce que Guénon lui reprochait vivement. Vous n'auriez pas dû incorporer des trucs comme ça, vous connaissez son fondateur, par conséquent, ce n'est pas immémorial, donc ce n'est pas sérieux, donc ce n'est pas la vraie tradition ancestrale. Bon. Il faut pas connaître le fondateur. C'est une des premières précautions. Encore faut-il, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais ne pas connaître le fondateur, c'est déjà essentiel pour René Guénon. Alors il a donc fait ces deux discernements des esprits. Après quoi, il n'aura plus besoin
de discerner les esprits. Et c'est ce qu'il va nous reprocher à nous. Il va nous dire, vous êtes obligé de discerner les esprits, jusque et y compris dans vos extases. Vous êtes obligé, après vos extases, de vous dire, alors est-ce que c'était du diable, est-ce que c'était du bon Dieu? Vous voyez, vous n'êtes donc pas sûr de vous. Tandis que nous sommes sûrs de nous, parce que nous avons déjà fait le discernement des esprits, nous n'avons plus besoin de nous en occuper. Et bien sûr, ils ont discerné les esprits, nous savons, mais ils ont même pas choisi le bon. On va commencer avec le précurseur Simon le magicien. Ça, c'est ce que je vais lire, là, c'est tiré de la Daras, là, en 40 volumes. Là. Je l'ai en PDF et en livre. J'ai rendu à moitié, là. C'est long à lire. Là. Bref, on s'en fout, on commence. Hérésie de Simon le Mage. Nous avons dit que l'hérésie de Simon le Mage était des plus vastes systèmes d'éclectisme appliqués à la science, de la philosophie et de la religion. Le premier anathème prononcé du haut de la chaire apostolique par le premier des papes, foudroyant, non pas, comme on l'a mille fois répété, un secteur obscur, un charlatan de bas étage, mais un hérésiarque digne d'être le précurseur de nos plus célèbres rationalistes. Et on va parler aujourd'hui donc de Simon le magicien, qui était donc un occultiste. Et vous allez voir qu'en fait, au-delà de la parole de Dieu, on sait que ce monsieur, qui était vraiment en contact avec les forces des ténèbres, qui leur avait donné un certain pouvoir, une certaine puissance pour impressionner les gens, faire de la magie, faire des sorts, et ça fonctionnait, hein, parce qu'il est resté pendant un bon moment dans la ville de Samarie, et les gens qui étaient autour de lui aimaient voir ça, en redemandaient, et il était très populaire à cause de cela. Donc les démons lui ont donné cette puissance, et le diable fonctionne comme ça, il donne de la puissance à ceux qui pratiquent l'occultisme, parce que déjà il sait que leurs âmes sont à lui, hein, parce que quand on pratique ce genre de choses, on se met complètement et clairement à défaut avec Dieu, vu que Dieu nous condamne ça de façon très claire dans la Bible, on va le voir. Le passé est garant de l'avenir. Les formidables problèmes qui agiteront sans fin toutes les intelligences rebelles à la lumière de la révélation furent abordés par Simon le Mage. La solution qu'il prétendait en donner forme un ensemble de doctrines que Schelling et Hegel n'ont point dépassées. La création, ce dogme auquel les philosophes de l'Antiquité échappaient, en admettant l'indépendance et l'éternité de la matière, et que nos modernes sophistes croient éviter en se jetant dans les rêves du panthéisme, se posa tout d'abord à la pensée du mage samaritain. Une matière éternelle, née d'elle-même, est constamment en progrès. Par des évolutions contingentes, lui paraissait une absurdité. Les livres de Moïse lui avaient donné l'idée d'un Dieu personnel, unique, infini, spirituel, qu'il est impossible à une intelligence saine d'identifier avec la matière, selon le monstrueux alliage du panthéisme. Mais avec l'unité de Dieu, comment expliquer l'existence du mal? Avec la spiritualité de l'essence divine, comment aboutir à la matière? Avec l'infini divin, comment arriver à la contingence des êtres visibles? La sagesse de l'Égypte, de la Grèce et de Rome avait sombré sur ces écueils. Le mage crut trouver la solution du problème, dans les temples de la Perse et de l'Inde. Le principe du monde, disait-il, est la puissance infinie. Mon livre est la révélation apophasis de cette voie, de ce nom, par l'intelligence de la grande puissance infinie, scellée encore, enfouie, voilée sous les ténèbres de l'habitacle humain. Il plonge pourtant jusqu'à la racine d'où sont sortis tous les âges. La puissance infinie, comme l'a dit Moïse, c'est le feu. Deus ignis est, feu spirituel, des intelligences, qui n'a rien de commun avec la matière ignée, flamme divine, qui embrase la double sphère de l'intelligence et du sensible, selon le mot de Platon, de la puissance et de l'acte, comme dit Aristote. En toute chose est virtuellement comprise, le fini et l'infini, le visible et l'invisible, le corporel et le spirituel, les abstractions de l'intellect pur, comme les réalités du monde des sens, l'infini des infinis, le nombre et l'innombrable. Tout cela forme le trésor hyper-céleste de la divinité. Tel est cet arbre immense du songe Nabucodonosor, qui nourrissait toute chair. La partie apparente de l'arbre, le tronc, les rameaux, le feuillage, l'écorce, c'est le fini, le visible, le corporel. Mais la sève cachée qui donne la vie, c'est l'infini, l'invisible, l'incorporel. Voilà quel est le sens mystérieux des paroles de l'Écriture. La vigne du Dieu de Sabbath, c'est la maison d'Israël. L'homme de Juda est le germe chéri du Seigneur. Et ces autres,
Toute chair est pareille à l'herbe des champs. Toute gloire charnelle ressemble à la fleur épanouie sur la tige. L'herbe s'est desséchée et sa fleur tombe à terre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur, c'est le principe divin, source de vie et principe unique de génération. Jusqu'ici, la théorie du magicien, dégagée de l'emphase du langage et du luxe d'érudition qui associe Aristote à Moïse, Platon et Isaïe, ne se dessine pas encore avec netteté. Sa notion d'un principe infini, éternel, omnipotent, serait irréprochable s'il n'affectait d'y mêler une matérialité en puissance, qui va devenir sous sa plume une source intarissable d'erreurs. C'est exactement comme ça que réussissent à triompher les mensonges les plus efficaces. Une bonne dose de vérité avec une petite dose de poison. Le cosmos engendré. Ça, c'est un terme gnostique, le cosmos en passant. Le cosmos engendré, ajoute-t-il, doit sa naissance au feu éternel. Voici le mode et l'origine de sa formation. 6 germes ou racines de génération, issues du principe éternel, lui donnèrent naissance. Ces racines conjuguées par 6 guis se nomment le concept et l'intelligence, la parole et le nom, le raisonnement et la pensée. Le pouvoir infini réside dans l'ensemble de ces racines intellectuelles, mais en puissance seulement, non en acte. Or, le pouvoir infini se nomme celui qui est, a été, sera. S'il se reflète dans les 6 éons racines et y emprunt son image, il forme une seule et même chose avec le principe éternel, infini et immuable. Il en a réellement et sans aucune infériorité la force, la grandeur et la perfection. Mais s'il ne réside qu'en puissance et que son image ne s'y dessine pas, il disparaît et s'évanouit, absolument, comme la faculté des mathématiques et de la science philosophique dans l'âme humaine. À la puissance d'action, joignez l'acte. À la faculté de savoir, joignez la science et vous avez la lumière. Sinon, tout reste ténèbres dans l'âme. Et la faculté demeure stérile, meurt elle-même avec l'homme. Les 6 éons, réunis avec la vertu suprême, forment le divin septonore, la puissance éternelle, la plénitude de l'intelligence et de la vie. Si l'on songe que cette métaphysique transcendantale appartient à Simon le Mage, on comprendra qu'un tel esprit avait quelques valeurs. Dépouillé de sa terminologie empruntée aux sources brahmaniques, la formule de l'hérésiarque est exactement la même que celle de Hegel. L'être d'abord caché en lui-même, dans le silence de son éternité, sort de son inaction par une loi fatale de sa nature, se déploie par une énergie intime. L'objectif, ses forces deviennent subjectives. Il se détermine. Il s'oppose et arrive à prendre conscience de lui-même par la réflexion, le raisonnement, la pensée et la parole. S'il y avait une supériorité quelconque entre ses rêves également insensés, on la trouverait sans nul doute dans le système du magicien. Lui, du moins, ne pose pas de règles inflexibles à son Dieu. Éternel principe et fondement de toute chose, il n'admet pas que le pouvoir infini soit contraint, pour s'épanouir, de se répandre dans les 6 racines intellectuelles qu'elle lui donne comme appendice. La liberté plénière de cet omnipotent est réservée en termes formels. Il peut s'unir et s'identifier avec les puissances subalternes. Il peut les délaisser, s'il lui plaît, en d'autres termes. Le magicien n'oublie pas que poser une loi à Dieu, c'est l'anéantir. Sa logique est donc ici très supérieure à celle du panthéisme allemand. Le cosmos divin de Simon n'est point fatalement nécessaire, comme l'évolution divine de Hegel. Il n'est pas non plus coéternel à la puissance infinie. Le grand principe, le feu immense, reste seul dans son incommunicable unité. Ses prolongements intellectuels, le concept de l'intelligence, la parole et le nom, le raisonnement et la pensée, engendrés librement, ne sont pas, comme dans la Trinité chrétienne, des personnes coéternelles, co-infinies, consubstantielles. On ne saurait douter un instant que les 3-6 guis divines du magicien n'aient eu dans sa pensée l'avantage de rappeler, en les dédoublant, les 3 personnes augustes de la très sainte Trinité. Il n'est pas moins évident que cette conjugaison des attributs divins, empruntée à la théogonie indienne et procédant par l'union du principe masculin et le principe féminin, avait pour but d'exprimer, comme on dirait maintenant, la simultanéité de l'objectif et du subjectif dans l'évolution divine. Simon posa le premier en face de l'Église catholique cette donnée que le gnosticisme développera plus tard et étendit
jusqu'aux extrêmes limites de l'absurde. On comprend ainsi à quelle importance il était pour les apôtres d'établir nettement la notion de la Trinité chrétienne. Voilà pourquoi Pierre, entrant à Antioche après le départ du magicien, prêcha tout d'abord le dogme de l'unité de Dieu en trois personnes. Ce fait caractéristique, mentionné sans explication par le texte des Actes, les plus anciens que nous possédions, sur le prince des apôtres, semblait un anachronisme avant que l'hérésie de Simon nous fût exactement connue. Aujourd'hui, l'opportunité d'un tel enseignement est manifeste, et ce trait des anciens Actes devient une preuve merveilleuse de leur authenticité. Les conséquences d'un pareil système sont faciles à deviner. Des sphères de l'être inaccessible, le magicien retombait lourdement dans la fange des plus ignominieuses passions. L'immoralité des doctrines de Simon est flétrie avec une éloquence indignée par tous les pères de l'Église. Les philosophes humains nous apprennent que la statue de Simon, sous les traits de Jupiter, et celle d'Hélène, sous la figure de Minerve, c'était sa femme, était exposée aux adorations des adeptes avant l'initiation. Le païen auquel on montrait ces images ne manquait pas de les saluer du nom de Iovis et de Minerva. L'assemblée éclatait de rire en entendant cette interprétation grossière. Bientôt, on révélait à l'étranger les profonds mystères cachés sous les apparences matérielles. Le salut promis au monde est donné par le baptême, conféré au nom de Simon et d'Hélène. La puissance magique de Simon affranchit l'humanité de la servitude des mauvais anges, auteurs de l'univers. La connaissance de l'idée divine, Epinoia, élève l'âme dans les sphères supérieures. Les actes ne sont ni bons ni mauvais. Les liens du mariage sont une superstition. La famille est une institution perverse. Les lois sont toutes émanées des mauvais anges. Sous ces bandelettes sépulcrales, l'humanité était morte. Simon est venu la ressusciter en lui apportant la liberté véritable, la vie spirituelle qui rompt toutes les chaînes du monde inférieur, tous les devoirs, toutes les entraves de la famille et de la société. Tel était dans son ensemble le système de Simon, prodigieux mélange de toutes les spéculations anciennes et modernes, éclose du cerveau des philosophes, panthéistes et socialistes de tous les âges. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui prêchait dans le temps, c'est accompli. Hasard. Et puis, se fiche dans l'idée des physiciens que, comme les orbites planétaires, l'avenir est complètement déterminé, ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir rien de nouveau. Donc, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de diversité, et c'est ce qui donne ce qu'on a appelé après le nihilisme. Nietzsche, d'une part, qui adoptera cette idée de l'éternel retour, c'est l'idée de l'éternel retour. Schopenhauer aussi va dire l'univers piétine depuis toujours, fait la même chose, et c'est pour ça qu'il recommande la vie est inutile, etc. En fait, tout le nihilisme est basé là-dessus. Le fatalisme qui implique la réincarnation, tu sais. Peu importe ce que tu vas faire, de toute façon, les dés sont pipés, c'est joué d'avance. Puis au final, tu vas rejoindre le grand tout cosmique, l'âme de l'univers, le plérôme. Ils ont plusieurs termes dans leur jargon. Fait que peu importe ce qu'on fait, c'est le salut universel, mais dans le néant. Comme le bouddhisme, on va rejoindre le néant. C'est joyeux, hein? Bref, quand on connaît toute la terminologie gnostique, c'est comme les symboles, la symbolique, mettons, maçonnique et compagnie. Une fois qu'on les connaît, on les reconnaît, on les voit partout. Là, j'ai conscience que c'est un petit peu plus lourd que d'habitude, ce sujet, parce que là, j'ai pas le choix d'aller à la base. Si je veux expliquer plus en profondeur, plus loin un jour, mais le monde, il faut qu'il lise à un moment donné. Premièrement, les évangiles, que personne ne lit, y compris les chrétiens. Ensuite, quand on veut connaître l'ennemi, il faut s'informer sur la gnose, lire les livres d'Étienne Couvard, Jean Vaquier, Alain Pascal, il y en a beaucoup. Une fois que vous allez les avoir lus, vous allez avoir une bonne idée de la bête. C'est là que vous allez commencer à l'avoir partout. Mais là, je vais terminer avec notre ami Simon le magicien et sa mort, parce qu'il y a quand même, encore une fois, de l'humour pour qui sait la repérer. Ça, c'est un petit spectacle de Simon effectué avant sa mort. Simon le mage, prétendant imiter l'ascension du Sauveur,
avait promis de s'élever dans les airs, soutenu par ses anges, et de s'envoler du milieu de l'amphithéâtre en présence de tout le peuple romain. L'annonce d'un pareil spectacle fit accourir une foule immense. Néron était présent avec toute sa cour. Le mage prit son essor, et déjà des applaudissements éclataient de toutes parts, quand le prince des apôtres se mit en prière. Et à l'instant même, le nouvel Icare vint tomber au pied de la tribune impériale, sur laquelle son sang rejaillit. Le mage avait une jambe cassée et les pieds désarticulés. Simon le mage ne mourut point des suites de sa chute. Sa dernière lutte avec Saint-Pierre ne fut pas, ainsi qu'on l'avait trop légèrement admis, celle de l'ascension du magicien. Voici le texte des philosophes Fumena. Après avoir séduit un grand nombre de Samaritains, Simon fut anathématisé et maudit par les apôtres, ainsi qu'il est écrit au livre des Actes. Il apostasia ensuite et continua à exercer son art funeste, il vint à Rome, où il rencontra de nouveau la résistance apostolique. Ses prestiges firent encore un grand nombre de dupes, et Pierre eut souvent l'occasion de le combattre publiquement. Leur dernière rencontre eut lieu dans la campagne romaine. Simon, assis sur un platane, enseignait le peuple. Pressé par les arguments de l'apôtre et réduit au silence, le mage, après avoir tergiversé longtemps, prit le parti d'annoncer qu'il allait se faire enterrer vif et qu'on le verrait ressusciter le troisième jour. Un peu comme des hindous font, je ne sais pas si vous faites les liens. Il ordonna donc à ses disciples de creuser une fosse et de l'envelopper d'un suaire. On le déposa dans cette tombe, mais il y est resté jusqu'à ce jour, car Simon n'était point le Christ. Telle fut donc réellement la fin de l'imposteur de Samarie. De Dieu, on ne se moque pas.